pas une trace de craie sur le grand tableau vert, mais déjà il connaît le langage de sa mère, qu'il aimera au-delà de toute autre maîtresse. C'est au creux de ses bras qu'il apprend la tendresse. Il y a le lait qu'elle fournit et le talc sur les fesses. C'est pour elle qu'il sourit, pour elle qu'il se redresse. À l'âge où les bébés ne tiennent pas sur leurs os, savent à peine s'agiter au fond de leur berceau. Déjà la maternelle, déjà il se sent seul. Non mais qu'est-ce qu'ils lui veulent, ces écoliers, bordel. Il se prend en pleine gueule le caillou de la marelle. C'est la petite Isabelle qui lui a visé l'œil. 30 gamins qui rient, 30 blessures au cœur. Au lieu de l'infirmerie, juste un vieux professeur qui avait le dos tourné et qui ignore le problème, qui lui montre à compter sur nul autre que lui-même. Viennent les traces de craie sur le grand tableau vert. Il apprend l'alphabet d'une drôle de manière. Quand le cher professeur va écrire les prénoms des élèves les meilleurs de la récréation, il voit bien que dans la liste des champions de marelle, la première qui est inscrite, c'est la petite Isabelle. Il cherche la logique dans ce qu'on lui enseigne. C'est elle qu'on félicite pendant que c'est lui qui saigne. Il crispe les mâchoires, il est triste en dedans. Il est 3h15, il enfile son coupe-vent. Et c'est elle qui repart avec l'autocollant. 1000 larmes plus 10 000 autres larmes, ça fait combien déjà de millilitres d'eau? On n'a toujours rien compris au drame quand le professeur passe et essuie le tableau. Quelques vaches se promènent sur le grand tableau vert. Il travaille sur une ferme, gagne un maigre salaire. Le voilà déjà vieux, froissé jusque dans l'âme, lorsqu'un vent délicieux le pousse vers sa femme. C'est au creux de ses bras qu'il retrouve la tendresse. C'est pour elle qu'il se bat, pour elle qu'il se redresse. À l'âge où des tarés, coincés dans leur orgueil, savent à peine s'agiter au fond de leur fauteuil. Il va traire les bêtes, il rapporte le lait pour son Élisabeth qui est belle comme un secret. Il ne lui reste plus qu'un petit quart de vie. Il remercie Jésus de l'avoir enfin béni. Mais l'âge et le diabète précipitent l'histoire. Sa belle Élisabeth trop tôt dit au revoir. Il cherche la logique dans ce qu'on lui enseigne. C'est elle qui le quitte, c'est encore lui qui saigne. Il crispe les mâchoires, il est triste en dedans. Il met son veston noir, cache son cœur béant. Et c'est elle qui part avec le halo blanc. 1000 larmes plus 10 000 autres larmes, ça fait combien déjà de millilitres d'eau? On n'a toujours rien compris au drame quand le professeur passe et essuie le tableau. 1000 larmes plus 10 000 autres larmes, ça fait combien déjà de millilitres d'eau? On n'a toujours rien compris au drame quand le professeur passe et essuie le tableau.